Messieurs, dames, et la famille, la société, tous les amis fanatiquement, vous faites accès compatriotes. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Moi, c'est Sami, nous faisons nous merci Dieu Jean. Et c'est avec même plaisir, même engouement, même fougue, même respect nous gagnons pour l'autre. Une autre fois, nous présenter la caillou aujourd'hui, lundi, qui 11 juillet. Hein, et nous portons pour Gazette Créole. Gazette Créole, c'est journal midi qui passait sur Radio Vision 2000. Nous pourrons connecter nous ensemble avec Salle Nouvelle ça pour nous capables de permettre toutes les amis auditeurs, nous, toutes fanatiques, nous, pour nous capables bien informer sur toutes dernières informations, toutes dernières nouvelles qui ont bouleversé la ville pays d'Haïti. Et bien nous portons pour vous, prendre chaise bas pour capable bien informer, pour capable écouter tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti, toutes dernières nouvelles qui fait tomber. Et bien nous portons pour vous dans moment ça. Et bien prendre chaise bas pour capable écouter Gazette Créole qui présentait dans Radio Vision 2000. Ça qui a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la gueule dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, journal Gazette Créole qui rentre dans le caillou. Mes titres qui peuvent dominer l'actualité dans le journal ça pour aujourd'hui, affrontement en gang G9 avec GPPO depuis vendredi passé dans Cité Soleil. La cause environ 40 personnes perdu la vie et plusieurs dizaines d'autres qui blessés d'après pasteur Jean-Enoch Joseph. Majorité moun ki mouri yo sorti nan kan groupe ka fè affrontement d'après pasteur a li fè konnen genyen 15 individu aksam même gang village de Dieu ki t'ap pral pote renfort a groupe G9 yo tout ki perdu la vie nan kat affrontement si la. Yon groupe adolescent avec gros am nan men yo ki t'ap sikile nan pick-up kidnappé pou piti 4 moun hier matin nan zone rue Kapwa ak Kamo parmi yo gen 2 fòm ak 2 ti moun d'après information ki rive jwenn nou. Diverses opérations, la police menée pendant le week-end permettent de mettre main sur plusieurs présumés membres gangs à déjouer tout et puis libérer les gens qui étaient victimes de kidnapping dans divers côtés dans la capitale. La police a mené une opération dans la zone Torsel tout, base chef gang Vitelhomme, pour libérer deux otages qui étaient kidnappés même jour. Ils ont présumé bandits mourir alors que la police saisit une machine pendant l'opération. Dans la même journée samedi, il y a l'autre individu qui a eu un fusil à Sonan Meli qui a perdu la vie dans la zone Delma 30 après 11 ans de kidnapping qui a fait tout près de Delma 33. La police a cherché qu'on y ait là trois autres présumés kidnappeurs. D'après ça, la police nationale l'a fait connaître. Agent BLTS, agent de CPJ, arrêté Isaac Junior, salvant 29 l'année samedi 9 juillet dans l'aéroport, tout seul ouverture avec une valeur $132,236 américains. Il est à New York à bord de vol compagnie JetBlue, d'après information PNH communiqué. Gouvernement haïtien signé vendredi un protocole d'entente avec OEA sur renforcement police nationale là, protocole d'entente ça doué et permettre PNH là jeune à travers International Narcotics and Law, outils nécessaires pour combattre crime organisé, crime avec corruption. Bandi exam te tiré un pile coup d'âme en direction locale dans Port-au-Prince samedi a ça qui était la cause d'un gros panique en bas la ville là mais pas gagné monde qui victime. Association magistrat continue à réclamer pour autorité au déplacer tribunal première instance Port-au-Prince là avec salut tout proposition office protection citoyen fait gouvernement dans sens ça. Bonne direction Anama APM avec Renama Avini. Normalement côté Premier ministre là avec toute ministre intérieur liant démenti jeudi a comme quoi palais du 6 en bas contrôle individu exam sous bisetne. N'a pas retourné l'été prochain.
Une fois encore, bonsoir tout le monde. Technique là, c'est Evans Alcimé et puis le micro à Nativita Prioli Pioli. Nous retournons pour détail information yo affrontement en gang G9 avec G-Pup qui était commencé depuis vendredi passé à la commune Cité Soleil. La cause y a environ quarantaine moun gon sak perdu la vie yo avec plusieurs dizaines d'autres qui blessés d'après pasteur Jean-Enoch Joseph. Majorité nan moun ki mouri yo sorti nan camp et groupe ka fait affrontement yo d'après ça responsable ministère pasteur Enoch l'a précisé. Li fait konnen gen yon 15 individus en exam qui c'est même gang village de Dieu qui t'assemblé t'a préparé pour porter renfort bay groupe G9 là qui perdu la vie autour responsable et dénoncé absence la police depuis plus passé une année dans Gobidonville ça dans capitale là côté population a fait face à gros la misère li et déplorer le fait population livrée à lui-même et pays a abandonné tant qu'on pas gagné dirigeant là-dedans. On a écouté précision li dans micro David Locha depuis vendredi 5h du matin. Il y a une amplification de violence qui n'a cité à depuis plus que 2 ans depuis la mort. Si vous campez, vous pas jamais campé. C'est malheureux. Le grand public là pensait que c'était Soleil qui est calme. Si Soleil va jamais calme, il y a tué le monde chaque jour dans Cité Soleil. Mais il y a vendredi, c'était compliqué. Parce que monsieur qui n'a pas pièce qui a lié G9, il était monté aller dans Bois Neuf pour et déloger M. Gipepio, M. Bouclinio. Le temps que pour M. Gipepio, M. Bouclinio monte, il prend l'espace là dans la main, M. Piersicio. Mais en pile cartouche, en pile tiré, sans camper. Depuis vendredi, il a tiré, il a tiré hier samedi, aujourd'hui, c'était tête chargée net. Et depuis tout ça, tout ces monde qui mort. Ou bien un effectif, si tu es monde qui t'a mouru, ou bien quand tu es monde qui t'a blessé par balle dans la cité. Là, toujours difficile pour me gagner effectif là. Et monde qui blessé, il y a plusieurs dizaines. Moun ki mouri, yo nan yon gros 30-40. Parce que pour un seul bon, seulement bon, M. Genef yo, moun genye information, genye près de 18 soldats qui mouri. Sa kote sa blessé, nan l'autre boa, bon kote je peuple la, mba genye information. Sur les réseaux sociaux, yo, il est bruit que te gen M. Village ou tap vin ba renfort, gen 16 là-dedans yo, qui t'a passé tout. Vous comprenez, ça veut dire qu'en pile monde mourit. En haut, à tout, il y a 5 personnes, les spectateurs, parce que les gens dans la Cité Soleil ont un problème, tout, il y a plusieurs là-dedans, des pour être tiré. C'est comme si son match football, il y a des gens qui ont gardé, qui ont battu bravo, qui ont battu. Ils mourent tout. Et je dis ça sincèrement, Cité Soleil, il y a un pile problème. Il y a 3 gros tontons fléaux dans la cité. Il y a des gaz à Mzao qui sont fléaux, premier fléau. Et puis il y a la boue, Fatra, dans tout le canal. Depuis là, il fait 8 Pétionville en bas, inondé. Ça, c'est le deuxième fléau. Et puis en troisièmement, on a mouru. Oui, grand goût. Je ne vais pas parler de l'État, je ne vais pas demander aucune instance internationale, parce que tout le monde a aussi acteur, tout le monde a complété pour monter sur les mouilles, donc on mouche dans le pays. Est-ce que ça a passé dans la cité là, hostilité ça, ou est-ce qu'il a passé jusqu'à dimanche après-midi là? Jusqu'où il y a là. Et il y a des fois le font pisser, il y a des fois le font monter, mais je dis à des informations là, avant de parler avec l'homme information, je dis, là, tu es raide, je dis jusqu'à présent, moi, mon petit Marie-Vente, Marie-Senti, c'est problème tête chargée. Capacité là. Bon, c'est une zone métropolitaine qui réagit comme ça. Comme c'est le pays à tout pour un peu le monde, mais son pays qui est abandonné, son pays qui n'a pas de dirigeant, qui n'a pas aucun monde. Il y a des gens là pour toucher, mais il n'y a pas de monde qui là pour pas aucun service. Ça qui est plus petit. Là. Et ma rappelle ça, c'était sur les pas de policiers depuis plus qu'un an. Ou quand un policier passe dans la cité, mais pas de policiers dans la Cité Soleil. C'est vrai, Cité Soleil pas de jambes la paix, mais ça a quelques jours, nous pas de temps de bribal, mais qui ça qui a la base guerre ça qui vient déclarer là? Guerre à la depuis les tirs oui. Il des fois ils font camper, des fois ils font avancer. Les tirs qui mouillent pour qu'on gagne G9. Les G9 viennent prendre pied. Monsieur en bas, ils viennent fonger peuple eux-mêmes. Il y a allié, village de Dieu, il y a allié, 400 maroons dans le coin de bouquet. Ça veut dire, pays a gagné 2 pôles de violence. 2 pôles, ça aussi G9 et G9. C'est ça, les lones, on a fait avec une, on a fait avec l'autre là. Tiens, ils ont dit là, au moins, on a tout. On s'allie. Déclaration, pasteur Jean-Enoch Joseph, sous affrontement.
gagné un temps et gang G9 avec GPEP depuis vendredi passé dans la communauté de Soleil. Pour agent exécutif intérimaire et commune de Soleil, il y a une trentaine de monde consacrés perdu la vie pendant l'affrontement. Pendant midi, pour journée lundi, la situation paraît un petit champ calmé. Jean-Islain Frédéric qui m'a dit intervention au gouvernement sans perdre du temps. On a écouté précision dans le micro d'Abos Figaro. Environ 31 de monde qui perdit la vie, parce que moun sa yo, nous pas besoin de chiffre exact là pour yo, pour qui retient, parce que nous pas gagné quelqu'un qui pas négal faire une enquête pour dire ok, même un, deux, trois, ou l'autre bagaille qui est tout moun sa yo, depuis yo mouri, ça va dépendre de qui côté yo mouri, quel que soit côté yo mouri, l'autre monde cap goumé, soit à enterrer yo ou bien pouler yo. Bon, mais population civile là, il y a des cap goumé qui mouri, il y a une population tout qui prend balle, tout qui mouri. Il y a des cap goumé qui blessé, il y a une population qui blessé. Est-ce que il y a un pile monde dans la population civile là qui est victime ou bien majorité bah, c'est suivant information donc en pile la victime yo ta na kan et bandi yo bien mon la population civile là qui est victime tout parce que mon yo doit arrêter la caillou yo prend balle et là prend balle ça tout pas à l'hôpital donc yo arrêté avec balle yo peut-être que yo crée l'autre bac on ça ou fait pour vous soigner yo mais pas à l'hôpital ça va du de qui côté mon placé parce qu'il partage pour sauter pour l'hôpital là c'est de tel caca pour mettre tel caca qui occupe pas ça ça qui prend balle sauter tel caca c'est ça pas à traverser magistrat qui ça qui est à la base déclenchement guerre ça bon moi même tout le monde vit qu'on est qui ça à la base là parce que moi même l'aime questionner qui est-ce qui s'accale à la base, je ne vais jamais oublier pour moi raison qui s'accale à la base. Parce que non premier temps, il t'a parlé de territoire, d'élection, mais pour le moment là, pas quelqu'un qui connaît qui l'élection a fait dans le pays. Donc on va penser que c'est. Mais jusqu'à présent, je cherché pour qui ça qui est à la base et ça, m'a mené une investigation pour qu'on rejoigne. Est-ce que pour matin là, toujours bien tiré dans la cité? Pour matin là, pas gros tiré, mais de temps en temps, de tirer tout petit, soit d'un côté avec on l'autre. Vous comprenez ça, il y a rapporté. Ok, donc. Ça t'a voulu dire, tu as gagné un petit accalmé tout petit, suivant l'information qui vient de nous, est-ce que gagne un membre population civile là, qui est victime, qui a essayé de tenter de sortir quitter cité A pour essayer d'aller à l'hôpital, ou bien monde qui a essayé de quitter cité A même pour aller réfugier de l'autre côté. Il y a dimanche, tu as gagné un accalmé tout petit, je dis lundi, a effectivement révélé avec un petit accalmé, donc les populations effectivement a essayé de garder pour comment on a traversé soit le travail, et parce qu'on est majorité monde. Cap travail dans factory presque c'est dans cité soleil yo en pile là yo c'est dans factory yo joine pour faire dégager yo mais pour passer puis faire dégager donc tout ça yo et c'est des situations difficiles même t'es parlé avec un responsable la police yon moyen pour te créer un couloir pour moun yo te passer donc il te dit mais ça m'a fait tout ça capable dans question ça on dit cité a depuis qu'il est pas gain la police elle me dit la police en permanence nous gain 2 ans là depuis n'a courir dans la police dans cité soleil donc avant président Jovenel te mouri. Oui, situation ça a été représentée. Tout commissariat nous est vide, pas gain la police. Donc, gain commissariat, c'est des quartiers qui ont à l'autre quartier qui habitent là-dedans. Dernier message où tu es capable de lancer, c'est à qui est, à la police, à gouvernement. Le message d'avoir des droits vers le gouvernement, en bonne ville, c'était sur les malades en pile, non l'état est critique, c'était passé, le droit passé. En tant que premier ministre, en tant que médecin, pour le cas garder pour le qui dernier coûte plutôt que le cas baissé sur les non-opérations, pour le cas mettre tout ce passé. Il y a un groupe adolescent avec un gros âme dans le yo qui t'a circulé dans un pick-up kidnappé pour petit 4 moun hier matin. Ça passe dans la zone rue Capoa à Camo. Parmi moun yo, gagné 2 femmes avec 2 petits moun d'après information qui rivé joindre nous. Diverses opérations, la police menait pendant le week-end permettent de mettre main sur plusieurs présumés membres gang avec des jeux kidnapping et puis libérer les gens qui étaient victimes de kidnapping dans plusieurs côtés dans la capitale. Là. La police a mené opération tout dans la zone Torsel et là, c'est base chef et gang vite l'homme. Foster Bio libéré 2 otages qui étaient kidnappés même jour. Ils ont présumé bandit mourir et la police saisit tout une machine pendant l'opération. Si dans même journée samedi, il y a un autre individu qui était grand fusil dans Sonomel qui perdit la ville de Delma 30 après un kidnapping qui était fait tout près de Delma 33. La police a cherché qu'on ait là 3 autres présumés kidnappeurs. D'après ça, il fait qu'on est. Et HBLTS avec un DCPJ arrêté Isaac Junior, Salvan, 29 l'année, samedi 9 juillet, dans l'aéroport, tout se l'ouverture avec une valeur 132 236 $ américains sous lit. Il était parlé New York, à bord vol compagnie JetBlue, d'après sa PNH fait connaît. Nous allons gagner plus de précision sur la série opération la police Meneo avec un porte-parole, la police là, Gary Desrosiers.
Effectivement, et pendant ce moment-là, également pendant le week-end-là, la police mène plusieurs opérations, et un peu partout dans la zone métropolitaine également au niveau département. Et côté que dans quatre dossiers, et jeune fils à qui c'est Aïcha Dorville, 25 ans seulement, côté que la police a retrouvé Colli et dans Guédon, qui sont localités dans le plateau central, et samedi 2 juillet 2022, qui se passe à, et côté que la police a recherché dans quatre dossiers Metsa, Marc Nali Joseph, qui se ménage jeune Tifisa, côté que M. Bati Fian, jusqu'à ce que Tifia est arrivé perdu la vie, malheureusement. Gagné lundi 4 juillet 2022, BLTS détruit 4 champs de plantation de marijuana dans quartier Morin, qui sont localités dans la commune Limonade. Et la police tour, BLTS interpellé 3 juillet, et Edison Etienne, et qui lui-même est en possession de 12 kilos de marijuana. Et ils ont patrouillé la police, procédé à l'arrestation jeudi 7 juillet 2022 dans la quête qui sont communes Croix des Bouquets, et 6 membres qui ont pourraient avec 400 Marozo et Soirine Junior qui continue donc les Thibault, Ténor Bruni et Pierre Nelson qui continue donc les Chada, Saint-Cyr Stanley, Samuel Charles qui continue donc les Timaza, Wesley et Joseph, chef d'accusation, vol armé, vol de véhicule, enlèvement, braquage, détournement de camion. Et dans la zone Carrefour New York, hein, qui est trouvée dans la zone Guadeloupe, suite à échange de tir et bandit avec la police, gagné malheureusement un bandit qui est blessé mortellement. Et suite à lutte acharnée que la police a entreprendre dans la zone. Et toute quoi des bouquets, notamment dans la zone d'Oncel, et gagné, ils ont plusieurs bandits qui tirent en direction de la police, et la police même reposté, et ils ont arrivé pour la fuite, mais gagné une là-dedans, et qui malheureusement blessé mortellement, et pendant l'opération Satou, gagné et deux adolescents, et que la police récupérait, et selon toute information minière, était gantant, enlevé deux jeunes Sahio, bien l'autre de licence Sahio, côté que la police arrivait à récupérer. Et BLTS, au niveau aéroport international, tout en ouverture, a été Isaac Junior Salvant, et qui était trouvé lui à bord de un vol JetBlue à destination aux États-Unis. Il était en possession d'un montant de 132 236 $ américains. Et pour le moment, il y a un bureau des affaires financières et économiques BAF, qui sont cités au niveau de la DCPJ, qui a cuisiné, et pour le moment, monsieur, au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Samedi 9 juillet 2022, qui se passait là, dans Delma, côté que était gagné un kidnapping, et la police lui-même est arrivée, et objectif là, c'est pour nous arriver, empêcher que l'enlèvement fait, pour ne pas aller avec nous, non, mais et selon toute information, rien. Et il est arrivé et quand même aller avec lui, et, mais la police n'a pas traité et de bois croisé parce qu'il y a plusieurs à bord du véhicule, et il y a un véhicule, il y a ces véhicules victimes là, côté qu'il est arrivé, il était en train de véhicule là, et la police est arrivée, stopper le véhicule ça au niveau d'Elma 33, et il y a gagné un bandit et qui était en train de véhicule là, et côté que la police et stopper le véhicule là, et côté que kidnappé ça lui-même, il était en possession de M4, et côté que monsieur arrivé malheureusement blessé et mortellement. Et direction générale là a félicité toute la population d'Elma qui était apprécié intervention la police là, et n'a demandé encore une fois à la population pour continuer protocoler avec la police nationale. Déclaration porte-parole la police là, Gary Desrosiers, gagné et un pile coup d'âme qui était